Bonjour à tous, de retour sur Elite Dangereux. Parmi les réputations, l'Empire est monté, je l'espère. Avoir des grades. Espérons, espérons. Comment on joue à ce jeu déjà? Du coup, je vais aller au marché, je vais rien acheter. Laisse-vous tranquille. Table des missions. Table de missions. Deux pirates connus, rien à foutre. Livraison 9 unités de la marchandise suivante. Ah, le Anyunding. 100 000. 1000, c'est un travail de transporteur disponible. Il y a 1000 transporteurs disponibles. Et c'est quel... Et... L'Empire qui m'intéresse. Donnez des sous. T'auras pas de sous. Connasse. Voilà. Du coup, on va se déplacer. Il n'y a pas de mission qui m'intéresse. On va aller faire un peu d'exploration. Voir si on peut pas trouver une... N'importe quoi, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Un peu d'exploration, hein, je disais donc. Ça me permettra de gagner un peu d'argent. On est sur HR machin. On est sur la carte de la galaxie. Et on va faire le filtrage. Il est où? Haute technologie. Et voilà. Et on recule. J'en trouve une assez loin. Par exemple, elle. Edmund Mahorn, il est en vert donc ça c'est pas l'Empire. Alors si je prends ça, 44 années-lumière. Quoi? 44 années-lumière, population 45 millions, plus intéressant 45 millions. Il y a celle-là qui est tout en bas, Lavinie Duval. C'est l'Empire ça. Est-ce que... Maître d'influence. Carte. Est-ce qu'on peut ajouter... Ils sont, on s'en fout. Un Guardian, Stargoid. Ouh, ça pue ça, service. Allégeance, voilà. Allégeance à l'Empire. Enfin, je l'ai mis en favori, celui-là, quand je l'ai fait. Cette union est... Ah, une allégeance à l'Empire. Ok, donc du coup on peut faire les deux. On va retourner dans l'économie. Dayton Patrice. 25 millions. 9 millions. 13 millions. Des nœuds partout, mais y a rien qui m'intéresse. Si on va vers le nord, au nord, enfin, dans l'espace, hein. Il n'y a pas de nord ni de sud. Hein. On se comprend. Yuri. 12 millions. Putain, j'en ai trouvé un. Oh, 85 millions, cercle des pilotes.
Ah, il faut une allégeance au cercle des pilotes. Ah, c'est marqué l'allégeance. Empire. Ah oui, il faut que je regarde les allégeances. Cercle des pilotes, c'est un truc dont on m'a parlé, Keiko. Fédération. Je veux pas aller à la fédération, je veux aller un peu. C'est un empire. Hein. Quoi? Indépendant. Des zooms. Ah! Il y a un ingénieur là. Il est pas dans un truc. Ou sinon, on va voir les ingénieurs ce qu'ils nous demandent. Ça nous permettra de voyager. Il y a Ashnar. Ashnar, c'est la capitale des. D'accord. Du coup, on enlève. Garde ce truc là, mais on va faire. Allégeance. Voilà, il est pas dans l'Empire. Tac, tac. Ouais, mais du coup. Je peux y aller? Ah. Des sièges, je peux y aller. Ils ont oublié un truc. Ah, c'est à cause de la population. Lui, il a combien? 142, oh, on va y être assez vite. C'est une démocratie, c'est allégeance à la fédération, d'accord. On a dit l'autre, il est là. Il y a Wolf. Wolf. C'est allégeance à l'alliance. 128. On va aller voir ce qu'il nous demande, l'ingénieur. C'est très loin, mais ça nous fera de l'exploration et quand on retournera dans l'Empire, on pourra vendre notre exploration à l'Empire. C'est malin, hein? Non, c'est pas malin. Je pense qu'on va y passer l'après-midi. Toute ma vie dans un vaisseau. Du coup. Ouais. Ah bah c'est parti alors. Retour à la surface. Je sais plus ce que je veux faire. J'ai pas oublié de poser le machin. Tac. Ouais, du coup il a pris le plus loin. On n'a pas de transaction, on n'a pas de truc. Tac. Voilà. Je vais juste vérifier si j'ai pas oublié de rendre des trucs. Ça serait con de partir et qu'on ait oublié de rendre des trucs à l'autorité. Normalement non, mais bon. On sait jamais. Ouais. Payer des amendes. Du coup, on est parti pour un voyage sans fin. Enfin, 120 à lumière, ça va. Un 18 le vol, plus les pleins à faire, oh, ça fait 5 ou 6 points. C'est comme ça, c'est la vie. Le plus long, c'est le décollage. Ah, il a une voix plus russe, lui. Il a un accent russe. Étrange. Après, dans une station qui s'appelle Celsius, je sais pas si c'est un rapport avec la Russie. Celsius, je sais plus qui c'est qui a donné son nom à cette nomenclature, cette unité de mesure, j'en sais rien. Je dirais pas. Ah, par contre, j'ai un bug. Non, c'est pas un bug. C'est moi qui hallucine. J'ai cru voir un robinet, mais il n'y avait pas de robinet. Ah merde, c'est de l'autre côté de la station. Du coup, faut repasser à côté du champ de gravité. Mettre le moteur à fond, on mettra plus moins de temps. C'est parti. You are clear of the station. Flight control,
Bon parti pour un voyage qui va durer longtemps. Enfin, enfin. Voyageons enfin. Ça faisait longtemps. Ce que je pourrais faire par contre. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas grave. Je voulais faire un truc mais pas le faire tout de suite. Enfin, on devra faire le plein, on fera ça. Trop tôt. Mais là c'est mieux. Charging. Jiu. Ah, ça sonne bien quand même, non? Quand même un pseudo, ça peut sonner, ça. Jiu. Une idée. Une idée comme une autre. Une idée de merde. J'ai eu des idées de merde. Meilleure idée du monde. Salut mon soleil. Alors... passe par là. Kungi, ouais, Kungi. C'est un art dérivé du kung-fu, peut-être. Ça découvre des trucs. Hein. C'est ça qu'on veut. C'est cela qu'on veut. Il met un temps à charger là, quoi. C'est un diesel. Hein. Et en avant, vers l'infini et au-delà. Ah mince, on retombe dans les nomenclatures que j'aime pas bien là. LTT 51 là. Et toute la clique. On est reparti. Regardez, hein. On fera le plein auprès d'un soleil si on est dans la merde, mais sinon... Ah, à 18 par 18, 20 par 20, pour faire 120, ça fait 5 bons. Un peu plus de 5 bons. Pas mal. Pas un gros voyage, mais bon. Voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Ah, là c'est de l'autre côté. Bien joué. On recharge un peu de ce temps. Tranquille. Prends le soleil. Ah, il chauffe pas trop ce vaisseau. J'ai eu un vaisseau qui chauffait beaucoup aux abords du soleil. Et là, ça va. 32%, ça va. Bon, on est reparti. Domo-toi. Le vêté. Ouais. Ouais. Pas suffisamment accéléré, forcément. Le machin s'engage pas. Au soleil. Ah, par contre, on va peut-être... Parce que si on va peut-être s'arrêter, faire le plein.
Bon, on a encore largement de quoi faire un saut, on va faire le saut. Hein. C'est au saut d'après qu'on fera le plein, je pense. Et là, on recharge pas mal quand même en passant proximité. Il nous reste largement de quoi faire le saut. Après, on fera un petit plein aux abords d'un soleil. On aura peut-être l'occasion d'analyser le soleil en question d'ailleurs. Comme ça, gagner un peu plus de thunes. L'argent, c'est tout ce qui nous intéresse, bien sûr. Comme quoi, le jeu est très joli. Hein. Même si c'est pas Star Citizen, c'est très joli. Faut aimer l'orange. Mais... Normalement, on peut le changer la couleur. Moi, je ne l'ai jamais changé parce que j'ai un rêve secret de travailler à la DDE, c'est pour ça. Ouais, on a encore de quoi faire le saut. Charu sector, eh ben. On va atterrir dans des secteurs. M'ambiance pas trop ça. Préférez les noms de tout à l'heure, hein. Je trouvais plus joli. Friendship drive charging. En avant. Donc on a encore... Ah ben voilà, la destination est là, donc un petit plein s'impose. On va faire le plein. On s'arrête un peu en bordure du soleil, tranquille. Faire le plein. Faut que je me rappelle la touche que j'ai mise. Ah, j'avais mis ça. Par contre... Comment on revient en arrière? Ah, c'était entrée. Je m'en rappelais plus. Et du coup, là, si je lance un coup de détecteur, est-ce que on va trouver des trucs intéressants? Ouais, donc, du coup, il trouve que deux corps, c'est là. Ok, on peut rester dans ce mode-là et puis faire un peu d'exploration pour la suite. Vu qu'on n'espère pas se battre. Hein. Mais pas comme ça, nous. On n'est pas trop guerrier. C'est faux. C'est faux, je préfère largement le combat, mais bon. Disons que là, c'est plus facile pour se remettre au jeu un peu. Et là, tranquillement. Alors, allons voir ce qu'il nous dit cet ingénieur. Du coup, l'ingénieur, où est-il? Est-ce que ça va être indiqué? Proficant. Pas indiqué, on va regarder sur la carte. Non, je vais juste regarder si je me dirige vers la planète. Ouais, tout doucement. Enfin, vers le soleil. Là. Et du coup, galaxie. Les infos pour avoir les infos par bas de l'ingénieur là, c'est un petit losange, mais du coup, ah oui, donc hein, je comprends pas. Du coup, est-ce que c'est est-ce qu'il est
L'ingénieur est ici, vu qu'il y a un petit drapeau. Trophy camp. Ça ressemble à un trophée, donc ça n'a pas l'air de ça. Plus, ni. Bien, très. Et du coup, je sais pas où il est, ce con. Ah, bravo, hein. Je sais pas où est l'ingénieur. Bon, on va aller voir au Trophy Camp. Ça a l'air d'être ça. Hein. Port spécial appartenant à un ingénieur. Suffit de lire, faut arrêter d'être con. Tu lis 5 secondes et tu comprends, bien sûr. Mais bon, étant donné que je n'ai pas lu depuis la maternelle. Enfin bon. Où c'est cet enfer? C'est par là-bas. À mon avis, c'est posé sur une planète en plus. Est notre deuxième atterrissage sur une planète. Ça va être encore magnifique. Oui, j'ai décéléré. Prends-le en compte, s'il te plaît. Merci, oui. Donc, on va bien voir ce qu'il raconte, Jean-Pedro. Voir aussi, c'est un ingénieur, pourquoi hein, si c'est pour les moteurs ou pour les armes et tout. On accélère de beaucoup là, ça m'inquiète. 30 années-lumière. 30 semaines-lumière, non, j'en sais rien. Seconde-lumière, je sais pas. Enfin, c'est un rapport avec la lumière, je crois. C'est une planète, c'est une planète, c'est pas une planète. Ça ressemble à une planète, ça a l'odeur d'une planète, c'est une planète. Oui, effectivement, c'est une planète. Du coup, mettons-nous dans le bon sens. Là. Ah, on essaye de se poser sur... Enfin, d'atterrir tranquillement. Je me rappelle plus trop comment on fait en plus. Putain, ça va être super. 45 degrés, on m'a dit. Ça c'est pas 45, c'est plus ça 45. Non mais c'est marqué, je suis un gros débile. 45, 45, ça c'est 45. Là, c'est 45. Le gros débile. Ok. Maintenant, il faut aller de l'autre côté. Bon. 160 km, ça va. Si on voulait l'envers, c'est mieux. On est loin, on est loin. 160 km, c'est un peu loin. On va mettre 15 jours. Oh là là, bravo. Un atterrissage qui se passe bien, à ce que je vois. Bon, allez, moteur à fond. Ça va être long, ça va être long. Moi qui croyais les vaisseaux super rapides. Voilà. C'est ça de faire n'importe quoi. Remettons-nous droit. Voilà, c'est ça de pas savoir viser. J'apprendrai au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'apprendrai à me poser. Sans souci. Vous avez 8 minutes à tuer, bah pas moi, mais tant pis. On peut faire diminuer ce temps-là si on accélère à chaque fois. On va faire des coups d'accélérateur. Hein. C'est pas bon pour le dos. Hein. Mais bon. Prix du vaisseau, je pense que le siège est confortable. Confortable comme sa chaise en tout cas. Faut que j'espère pour lui. Ah,
Voilà, je suis encore atterri trop loin. Ça va être long, ça va être long. Pam 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 pam. Au moins 5 minutes. Alors, tout se passe bien? Voilà. C'est l'enfer. Comment j'apprenne à me poser, hein, parce que là... Plus que 4 minutes. On s'approche, on s'approche. Lentement mais sûrement. Finira par y arriver. C'est pour aller voir un ingénieur dont je me fous, c'est pas grave. on visite, il faut visiter. Heureusement que j'ai pas l'atterrissage à faire, hein, sinon ça irait pas. Hein. En plus, on est sur une planète dégueulasse. Et que de la roche et c'est marron. Ouf. Pas ouf, hein, pas ouf. J'aurais bien fait un survol de la faune et de la flore. Version Le Roi Lion, mais avec un vaisseau spatial. C'est l'histoire de la vie. Mais non, tout ce qu'il y a, c'est des cailloux verts de gris. Faut vraiment que j'apprenne à me poser, c'est affreux, c'est affreux. Mon plan est devenu bleu. Étrange. Là, j'ai dépassé l'aura bleue. Je sais pas ce que c'était cette aura bleue sur le truc. Je me pose bien la question. Parfois, je me pose la question. Je me demande. Il y a ce moment où je me demande. Alpha Delta. Ultimate flight control protocol initiated.
landing. Ah, tu me dis de se soumettre une requête, je la soumets ma requête. Enfin, ma request, pas requête. Bon, ça sera quand je serai à 7 km, ce soir. Généralement, c'est à 7 km, ils acceptent les demandes. Voilà, là, il accepte. Voilà, accordé. Et sans les mains. Ah, c'est beau, hein, la... l'assistance au... au parking. Le parc assiste, comme ils disent. Du coup, on va aller voir cet ingénieur-là, voir ce qu'il nous demande, ce qu'il veut. Puis on ira voir le deuxième ingénieur qu'on a sur la carte. Et une fois qu'on aura le deuxième ingénieur, et ben... généralement, il demande des pièces, hein, je crois. Docking procedure completed. Ship secured. On fait le plein. Donc, on a l'atelier d'ingénieur, contact impossible. Et il y a l'équipement qui vend aussi. Il y a encore comme équipement. Que vend-il ? Le Trophy Camp. Que vend-il ce petit ? Lui par exemple. Dans la boutique. Alors il vend du cinétique, cinétique et thermique, et du cinétique. Ça nous intéresse pas des masses, les trucs cinétiques, hein. C'est pas notre truc. C'est pas notre dada. On va quand même regarder directement ce que fait l'ingénieur. Alors, atelier d'ingénieur. Filez-moi vos reçus de primes et on deviendra vite de super amis. Ah d'accord. Il veut des reçus de primes. Invitation reçue. Todd Quinn a obtenu son surnom des autres de haute lutte en termes de saison éclatante. Dans la suite illustrée, tant que chasseur de primes, on commande son fer de lance équipé de multicanons dévastateurs. Il est toujours prêt à venir en aide aux autres chasseurs de primes. Il finit par s'associer à certains de ses amis. Entrez entreprise spécialisée dans les notifications personnalisées. Développez votre relation avec McQueen et il vous présentera un autre ingénieur. D'accord, donc lui il faut lui donner des trucs, et vu que je l'avais noté nulle part, on peut pas mal le savoir. Ah. Aucun milieu sur lequel travailler, d'accord. Ok, donc lui, voilà, lui c'est Todd, hein. Je le note hein, parce que ça doit être marqué dans le jeu, mais j'ai perdu la note. Lui il veut des primes. Je peux pas t'en donner, j'ai tout rendu mon copain. En plus il voulait que 100 000 de primes, hein. j'avais 200 000 la dernière fois. C'est pas l'eau, hein, mais bon, on est venu là pour le voyage, hein, pas pour le... Allégeance, il est de l'Alliance en plus ce produit. Je ne traite pas avec les terroristes. Non je déconne, rien à voir. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils font l'Alliance. Bon du coup voilà. Lui c'est fait, on a fait le plein. Maintenant on va aller voir l'autre ingénieur qu'on a. Donc lui il est à Wolf, je sais pas quoi. Est-ce que c'est marqué quelque part? Marché. C'est pas parlé monsieur. Gouvernement, c'est pas marqué. Okay. On a quand même marqué, lui c'est Wolf. Le bled c'est Wolf. Wolf 397. Voilà, on note. Hein. C'est toujours noter des trucs qui nous serviront jamais. Ou qu'on ne reviendra pas dessus quoi. Et après, oui, on a des Fiat là-bas. Attends, c'est le seul qu'on a, hein. Ouais, j'ai pas halluciné. Lanso, c'est quoi? Ah, Lanso, c'est là où il y a l'ami Keiko. Il m'a peut-être pas parlé.
Échette. Voilà. Par contre, je sais pas si c'est marqué quelque part, qu'est-ce qu'on doit lui apporter ou pas. On va peut-être essayer de regarder avant. On le note quand même parce que c'est le voyage qui compte. Du coup, est-ce que je l'ai noté quelque part, moi? Peut-être pas dans les transactions. Mission passager reçu amende prime. Oh, et sans. D'accord. Tac, dans les autres trucs. Est-ce qu'on a marqué quelque chose? Ah, on a des modules, des vaisseaux, des inventaires, des états. Réputation. Ouais, l'Empire, on a 5%. Hein, ça serait bien de monter tout ça. Hello. Ah, d'accord, merci. Bonjour, Shunsen. Alors, panneau de droite, codex, anglais ingénieur. Tu as tout expliqué sans avoir à te déplacer. Ouais, mais je me déplace pour le pour l'exploration. Hein. C'est pas. À la base, je me doutais qu'il y avait un truc, mais j'ai pas cherché. Tout. Codex, c'est pas là-dedans. Alors, tu m'as dit panneau de droite, codex. Autorisation. Terre, vaisseau. Terre, ah oui, il y a codex ingénieur. Effectivement, j'ai les deux, d'accord. Lui c'est multicanon et elle c'est FSD. Elle est de la fédération. Qu'est-ce de notoriété publique, félicitations. Vous avez rempli votre premier contrat en livrant une unité de méta-alliage. Ah ouais, d'accord, faut livrer une unité de méta-alliage. Ok, ok. Vous avez rempli votre premier contrat en livrant une unité de méta-alliage. D'accord, et l'autre du coup, il s'est bien marqué, vous avez rempli votre premier contrat en présentant des reçus de primes qui ont la valeur cumulée de plus de 100 crédits. D'accord, du méta-alliage. Oui, oui, merci pour une petite maison du coup. Ok, du coup, vous avez rempli votre premier contrat en livrant... Du coup, faut que j'aille lui apporter du méta-alliage. Retour. Et ben on va faire un truc simple. Je vais juste vérifier un truc. C'est pas ça que je vais faire. Tac. J'ai parlé en local, j'ai mis un espace. C'est beau ça. Le keeper. Ouais, le commandant il est là. C'était juste ça. Du coup, on va aller sur un bled pas loin, voir s'il y a un marché pour vendre du métalliage. Métalliage, c'est du minerai, je pense, un truc comme ça. Quand même. Carte de la galaxie. Donc on a dit qu'on allait là-bas. C'est combien, du coup, je n'ai même pas regardé comment c'était. On est à Wolf et on va aller à allons à Melsior. Au premier point, 160, économie en essor, raffinage, exploitation minière. Donc, du méta-alliage, on peut peut-être en trouver là. Système Maya. Système Maya. Je le vois pas sur ma route, du coup, alors. Indépendant, dictature, agriculture, industrie. Bah, t'as vu où c'est? Je veux pas dire, mais c'est un peu loin, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu de l'autre côté de la galaxie, quoi. C'est là-bas qu'on trouve du... Ah, c'est une bonne exploration, d'accord. Combien? 421 000, d'accord. Je vais regarder le métalliage si j'en trouve dans le coin, et puis on fera ça après, peut-être. Je me lance des trucs, hein, là, c'est une mauvaise idée. Hein. Le mec a des mauvaises idées. Hein. Du coup, j'en étais où, moi? C'est l'anglais. C'est là. Et...
Du coup, on va aller au truc d'après et puis on va aller voir si on peut acheter du métal alliage. Ah, c'est le seul vendeur? Ah, il y a le seul vendeur de métal alliage, il est à Maya, dans le système de Maya. D'accord. C'est ce que tu es en train de me dire. Ok. Du coup, bah, 420 années-lumière, un plaisir, la joie. Mais au moins, on pourra retourner dans l'Empire après. Ça fait le double de ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, ça nous a pris une demi-heure. Oui, 420 le retour, mais bon, c'est un plaisir. Un plaisir d'y aller, tu vois. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. On en profite un maximum. La joie. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Et c'est marqué quelque part que ça, on peut l'acheter que là-bas. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je veux juste regarder. Hein, parce que... Accroître notre compréhension de l'humain, voilà ce qui m'anime. Livrez-moi des méta-alliages. Ce qui me passionne. Méta-alliage, d'accord. Ouais, méta-alliage. C'est marqué. Étendier, non. Aide d'ingénierie. Ah, modification, ouais. Ok. Du coup, méta alliage, on n'a pas moyen de savoir. Ok, bah on est parti pour 420 années-lumière de voyage. On va se faire de la caillasse. Enfin, à part si on meurt en traversant une étoile parce qu'on a fait un mauvais calcul de distance. Mais... Ah, c'est vrai que je suis sur une planète, j'avais oublié. Ah d'accord, item rare, général... Et t'as une idée de combien ça coûte? Parce que si ça coûte plus de 4 millions, je suis dans la merde, j'ai pas les sous. Ah d'accord, ok, merci, 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 tu es une mine d'informations, merci, ça m'arrange. Ah, alignez-vous avec la cible de destination, merde, il faut que j'enlève la destination, je veux juste que je sorte de cette planète, quel enfer. Et si je m'aligne? Ah si, si je peux encore m'aligner, c'est bon. Ah si, c'est bon. Je me suis dit, s'il est de l'autre côté de la planète, ça va être l'emmerde. Super. Donc là, faut surveiller le gasoil, quoi. Voilà, on fait une petite détection. Après, c'est Néphil machin. Neftis. Neftis, c'est pas mal aussi comme pseudo. C'est bien, ce jeu est une mine d'or pour les pseudos. Quand t'as pas d'imagination. Si t'as trop d'imagination. J'espère qu'on va tomber sur des soleils un peu différents, hein, parce que c'est vrai que faire les voyages longs comme ça... Ah d'accord, c'est encore moins. Oh, tant mieux, ça me rassure.
Petite détection. System scan complete. Il y a que deux corps. Bon, après, on n'a pas un système de détection infini, mais bon. J'aurais peut-être dû en acheter un juste pour la blague, mais. Après, bon, on sera moins de sous, mais on sera des sous quand même. Surtout qu'il faut que je garde bien tout pour les. Faut pas que je fasse la connerie de les revendre avant. Faut que je les revende bien à l'Empire, comme ça ma réputation montera auprès de l'Empire. Du coup, ça fait longtemps que tu joues au jeu, Shunsen? System scan complete. Ah, 3 mois, d'accord. T'as fait 3 mois non-stop. Moi, j'ai attaqué le jeu quand il est sorti. Et depuis, j'ai pas. J'ai rattaqué il y a 3 semaines maintenant, 3-4 semaines. Effectivement, si j'oublie de lancer le réacteur, va mal se passer cette histoire. Et c'est reparti. On fait à peu près 150 000 années-lumière avec un plein, du coup ça fait un peu moins de 3 pleins. Ça doit aller. En charge que j'ai un récupérateur de carburant qui est assez performant. Ça devrait pas être trop pénible. Vidarengu. Ah, j'aime bien comme pseudo aussi. Ça fait un peu long, mais. Frameshift drive charging. Donc là, on est un peu limite en carburant. On va faire notre scan tranquille. Encore hein, et un peu en tout notre temps IADES en état 75, c'était bien. Voilà. Ah, la température est trop chaude. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Laisse-moi sortir de là. Et ça chauffe encore. C'est quoi ce soleil des enfers? Bon, on a encore assez pour un bon. On refait le bon. Ouais. Prochain soleil sera peut-être moins chaud.
Peut-être qu'il nous en voudra moins. Question, une bonne question. Faire la détection. On score. On va y aller doucement, tourner autour du soleil. Tout à l'heure on s'est trop rapproché. Température monte, on est à 30, un peu plus. 60. Ah, on est dans le rouge, hein. Et doucement. Doucement, 62. Six. Ça monte. Voilà. 64, c'est pas mal, hein. C'est pas le maximum que peut faire mon récolteur. Mais... J'ai peur de surchauffer comme tout à l'heure aussi. À se tenter, rapprocher un peu. Bon, là on a assez pour faire le prochain. On se rapproche. Est-ce que 2% on va prendre encore? Est-ce qu'on va prendre des pourcents? Tranquille. Reste tranquille. C'est plus pratique que les pompes à essence. Hein. Maintenant, les pompes à essence, elles te collent de la pub quand t'es en train de faire le plein. Et là, tu dis, mais c'est quoi cette merde? Bon, encore 71%. Ouh. 74. Ah, c'est dangereux ça. Hein. 76. Oula. J'aime pas bien ce qui est en train de se passer. On va rester comme ça. 78, voilà. Ouais. Warning, moi aussi. Je suis en plein dans le warning. Ouais, je remonte. Baisse, température de merde. Voilà. Ouais. Elle a baissé. Ouh, on a plus du tout de plainte. J'aurais dû être prudent comme tout à l'heure, parce que ça nous fait perdre un peu de temps encore. On fait le plein. Ah oui, ça m'est déjà arrivé ça. Et j'essaye de le mettre à 75, mais bon, je pensais pas que ça chauffait autant en fait. Donc 50, c'est pas mal déjà. Ça prend un peu plus de temps, mais bon. C'est pas comme si j'avais mis presque 10 minutes à me poser sur une planète, donc... C'est tranquille, là. On est calme. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Des notifications à la con. Ah, mais il semblerait que ce soit pas des notifications à la con en plus. Oh là là. C'est les vrais gens. J'ai pas l'habitude. Après, c'est vrai que là j'ai eu que des soleils rouges là, ces derniers temps. J'ai eu une étoile à neutrons là, les espèces d'étoiles jumelles. Enfin, qui ressemble à une espèce de sablier là. Enfin, je dis une étoile à neutrons, c'est même pas ça, mais. Je connais rien, mais. Mais bon. Ça doit sortir un nom cool.
Mais après, ouais. J'ai eu une géante blanche tout à l'heure. Enfin, j'ai eu une. Qui était dans le spectre blanc. Il y a les rouges, il y a les violettes. J'ai vu une violette il y a pas longtemps. J'en ai jamais vu dans le tout début du jeu. Il y avait quasiment que des soleils jaunes. Un soleil qui ressemble à notre soleil à nous. Et là, c'est vrai, ils ont fait pas mal d'ajouts. C'est bien. Tarder à avoir le plein. Ça m'a fait peur. Je m'y attendais, mais ça m'a fait peur. N'importe quoi. Merde, il est là. Et c'est reparti. On a fait le plein. Pas besoin de remercier le caissier. Hein, c'est parfait. Si seulement les voitures solaires de nos jours étaient aussi performantes. Plus personne n'aurait des voitures essence. Là, c'est plus facile de choper un soleil dans l'espace, je veux dire. Rigossage. Pareil, c'est... En pseudo, je trouve que c'est pas mal. Ça fait un joli pseudo. À une prochaine, Shunsan. Merci pour tes idées. Merci pour ton aide, pardon. J'ai voulu dire idée et aide en même temps. Ça donne des idées. Ça se ressemble. Merci beaucoup. Ah, il est minuit. Alors je sais pas où t'es du coup, parce que je connais pas trop les parallèles, mais bonne nuit du coup. Transforme-toi bien en citrouille. Comme dirait Cendrillon. Hop là. Et ça, c'était une blague de merde, effectivement. Alors. 22 corps, Céleste. Et à une prochaine, j'espère. C'était bien sympa. HIP. Il découvre encore des trucs. Hein. Là, il y a pas mal de trucs pour miner dans sur cet archipel, j'allais dire n'importe quoi, dans le système plutôt. De secteur. C'est très grec tout ça. Ah merde, j'ai oublié de faire ça. Abruti, je me suis trop approché de l'éruption solaire. Refroidis, refroidis.
Je suis vraiment trop con des fois. Comme ça qu'arrivent les accidents. Hein. On va attendre qu'il recharge. On va s'éloigner avec le soleil dans le dos. Il est pas vraiment dans le dos là. Bravo, bravo, tout a chauffé. Frameshift drive charging. Ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je vais tout faire cramer à force. Ah là là. Attends, du coup, il faut que j'enlève. Je vais tout faire cramer avec mes conneries. Faut que je me sorte de ce pataquès là. Je sais plus comment on fait. Je déverrouille le machin. Lui, il est là. Le soleil devrait être par là. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà, je l'ai déverrouillé. Et là, je fais juste accélérer. Voilà. Pour avoir le vecteur de sortie. J'ai évité de tout cramer. Je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Je sais que la température est critique, je m'éloigne. Voilà, maintenant. Je vais reprendre mon voyage. Encore du temps perdu, idiotement, de manière idiote. Manière stupide, complètement stupide. Pas bien, faut pas faire ça. Faut pas perdre du temps. On n'a pas perdu le reste, c'est impeccable. Éviter de se jeter dans une éruption solaire, excusez. Je pense qu'on a cramé quelques modules internes, il faudra peut-être tout réparer aussi. Mais... J'ai déjà fait pire, c'est pas grave. Frameshift drive charging. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, ben, je pense que le live finira plus tôt aujourd'hui. Je pensais live jusqu'à 6h, mais on vient de me proposer une bière, et une bière, ça se refuse pas, hein. L'inconnu. Oula, oula. Ah, c'est la bière, c'est la bière. Voilà. L'alcool et ses ravages. Je suis allé me jeter dans un soleil. Oh putain, je me fatigue. Du coup, on recommence la manœuvre de tout à l'heure. Toi, tu dégages. Voilà.
Et on attend qu'il se recharge. Directement aller foncer dans le soleil. Là, c'était magique. C'était magique. Hein. Attendre que le FSD. Je vais cramer mon FSD à force. Je vais avoir un FSD tout pourri quand je vais arriver. Il va me lâcher en plein milieu du voyage, ça va être super. Il est où ce con, putain? Il est où? Yeah. Oui, chauffe pas, chauffe pas. M'en vais, je m'en vais. Hein? Dommage. Bon, ben voilà, hein, je vais tout cramer. Faut que j'arrête de faire le con. Ça m'a remis le voyage. Ouais, ça m'a remis le voyage pas lui. Il est bien fait ce jeu quand même. Bon, faut que j'arrête de me jeter sur les étoiles. Hein. Je sais que la lumière ça tire les. Enfin, soi-disant ça tire les. C'est pas vrai, hein. On dirait Max Bird. Il dit reçu. Mais voilà, je me jette sur les soleils. C'est ma faiblesse. Côté, c'est un soleil un peu moins embarrassant que tout à l'heure. On va essayer de faire le tour. Ah mais un deuxième soleil. Ah mais c'est un plan cul ça. C'est... Partout même, c'est n'importe quoi. Ah, on va faire le tour lentement, histoire de pas se jeter dans le soleil. Et de pas se prendre l'éruption solaire qui est là. Tant de pas se cramer les moustaches comme il y en a l'autre. Voilà, là, on s'en va. On s'éloigne tranquillement. On a fait un petit peu le plein. Voilà. Je sais plus si j'ai fait ça. Je l'aurais fait au cas où. Hein. Je l'avais pas fait. Et là, on peut accélérer. On passe à proximité. Ah mais il y a combien de soleils dans ce bordel? Il y a au moins 3 soleils dans ce système. Ah là là, ces systèmes avec plusieurs soleils là. Ça la pète, hein, ça a déjà été fait par le système de Tatooine. Hein. C'est pas bien de repomper sur les autres. D'accord, bon. Il y a pas mal. Bon, on va se faire le plein, non, pour assurer. Est-ce qu'on se ferait pas le plein? Le soleil me recharge pas ou c'est moi qui hallucine? Je suis pas assez prêt. Il rechargeait pas celui-là. J'ai eu du bol. Ça fume encore. Putain. Je vais bien cramer un truc à force. On va finir par me cramer les moustaches. Bon, j'espère que le prochain système, je pourrai me recharger. Parce que... Sinon, on risque d'être dans la panade.
Ça serait bien dommage. J'ai eu peur, j'ai cru que je pouvais pas me recharger. On va faire le plein hein, comme tout à l'heure. Pas trop chauffer la S-bas. Et d'aller se fourrer dans le soleil aussi. 39 c'est pas mal. Un petit plein, ça me laisse le temps de répondre au message. Tranquille. Alors, ça va, température chauffe pas trop, ça va, on risque pas de mourir tout de suite. C'est pas bon ça. On a oublié des espaces, hein. C'est le début de la fin. Si ça charge, mais c'est pas. D'accord. Un mot de 3 lettres, je trouve quand même le moyen de faire une faute. Magique, 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 magique. Simplement escadron information, il y a plein de trucs ici, la lecture encore. Ah, alors voilà, état. Ah, on est tous à 96%, hein. On a tout abîmé, on a tout abîmé, hein. C'est malheureux mais c'est le cas, on a tout abîmé. Le tir avant. État. Du coup, l'Empire, voilà, hein, 5%, ça nous intéresse plus d'être allié avec l'Empire que avec la Fédération, parce que j'aime pas les vaisseaux de la Fédération. Et l'Alliance découverte. Non. Ça, c'est le journal. Le coût du rachat, il a. Un peu moins d'un demi-million mon vaisseau, donc il est pas, ça va, hein. L'assurance est pas si chère que ça. Ah tranquille, ça va. On peut peut-être lire hein, ces fameux onglets que j'ai pas lus. Votre liste de lecture est vide, sélectionnez les lectures, oui. Ajoutez les entrées Galnet récentes. Ah d'accord. Ah, ok, ok. On n'était pas explorateur, mais on va faire un sacré bond. Hein. Donc on a les puissances galactiques, on a les ingénieurs, Galnet News, on s'en fout. Escadron. Alors, escadron, nom de l'escadron, identifiant ces escadrons, superpuissance, indépendant, choisir des mots-clés descriptifs, tac, faction alliée, choisir plus tard, baptiser votre escadron, son nom ne pourra pas être modifié ultérieurement. Créer un escadron, ça coûte 10 millions. Rejoindre un escadron. Ah, il y a rejoindre un escadron. Parcourir les escadrons. Qui avons-nous? Trader and Miner. Ah, ok, il y a pas mal. Mot-clé sélectionné russe. On va dans un escadron russe. On parle pas russe, ce sera très pratique. Helvet.
Kingdom. D'accord. Ah, mais il y en a un paquet. Ah, par contre, la recherche, c'est pas très pratique. Il y a que 2 membres. Il y a que 6 membres. Et plus des savants, russes. D'accord. Et si on fait recherche France? Ah oui, bon, j'ai la navigation. Retour, j'ai mis filtre. France, France Inter La Rochelle. Il y a un seul membre. Ah, c'est plus que c'était France Inter. Alors, bon, retour, retour et retour. Oh, on n'est pas loin d'avoir fait le plein. Mais disons que c'est pas mal ça. Les cadons, les codex, qu'est-ce que ça raconte? On s'en fout. Boucle d'Orient interne. Découverte, d'accord. Base de connaissances. Manuel du pilote. Ah, ok. Alors, base de connaissances. Empire, base de connaissances, Empire, Fédération. Les Targoïdes. Ah, ils ont une sale gueule. Personnalité. Les Guardians. Ouais, c'est des espèces de ruines, les Guardians. Colonia, Raxla. Ah! Le plein est fini. Barrons-nous d'ici. On va adresser un autre jour. Eh ben c'est parti. Finissons notre voyage. On est reparti vers l'infini et au-delà, comme dit, comme dirait Buzz. Toi, soleil de mon cœur. Bon, ça sera bien quand on aura fini le secteur des IAD. Alors, on s'est suffisamment éloigné. Restons prudents. Energy drive charging. Et en avant. Ah, il y a une étoile rouge là-bas. S'éloigner un peu parce que je reste trop près, j'ai vu une éruption solaire, on va encore se cramer les moustaches. Mon avant, mon avant, Arias Dark. Région IMV.
Ah, tout à l'heure j'étais dans les Iades, maintenant je vais dans les Pléiades. Oh, on explore la mythologie grecque à fond. Hein. Et on est reparti. À nouveau un HIP. Charging. En avant, en avant. Différent. Là, faut se méfier de cela parce que voilà, en s'approchant à peine, ça recharge déjà. Voilà. Et on retourne dans les Pléiades. Ah, ils aiment bien la mythologie grecque. Hein. C'est fou, hein, ça. Un peu le plein au passage. Et c'est parti. À plein les ballons. Oh, sympa la navigation. C'est tellement mieux que de conduire une voiture. J'ai encore de la marge. Pas besoin forcément de faire le plein tout de suite. Faut se rapprocher en plus, parce que celle-là, elle a pas l'air de vouloir faire le plein de mon véhicule. Explorer autre chose que des Pléiades là, ça serait bien que ça change un peu. Ah, un message. Elvira Mardi.
reçu un message. Alors si ce soleil veut bien recharger notre plein, on va lire le message tranquillement tout en faisant un peu le plein. System scan complete. Ça fait le plein. Ah, on monte, on va arriver dans les 60. Là. 32, c'est pas mal. Voilà, on va, dans le pire des cas, on fera le plein. Invitation, hop là. J'aime offrir mon service aux grands explorateurs. Peut-être trouverez-vous mes talents à votre goût. Rendez-moi visite et je vous promets une discussion passionnée. Un repère a été ajouté à votre carte. Ah, c'est un nouvel ingénieur. Ça, c'est cool. À votre carte de la galaxie, vous n'avez plus d'excuses. Elvira Merduc. Ok. Du coup, du temps qu'on fait le plein, on va quand même vérifier ce qu'elle veut, Elvira. Elvira Merduc. Je fais commerce de marchandises rares et exotiques, surtout extraterrestres. Artefacts et autres objets d'origine non humaine m'intéressent au plus haut point. En ce moment, je cherche à prouver que les reliques de Suntil ne sont qu'une vaste supercherie. Je vous saurai donc gré de m'en livrer. Vous pourrez en trouver au bord de Chironovsky City, dans le système de Nguri. Donc après, il faut aller à Nguri. Alors ils ont dit, vous avez appris l'existence de sources publiques. Elvira Merduc vous a offert les portes de son atelier, car vous avez à autant un point éloigné d'au moins 300 années-lumière de celui où vous avez commencé votre carrière. Vous avez rempli votre premier contrat en livrant 3 unités de reliques Sundil. Donc du coup, il faudra aller à Nguri pour elle. On pourra y penser. On va pas le faire tout de suite, hein, mais... on regardera où c'est, et puis on ira. On va peut-être pas faire complètement le plein, hein, parce que ça va bien. On fera le tour. Là, on fait le tour maintenant. Ok, on a notre ingénieur, du coup. Ça, c'est super. Et voilà, on est parti. À l'aventure. Compagnon. Bon, vers l'horizon. Three, two, one, engage. Eh ben, ça, c'est mignon tout plein, ça se passe tellement bien. Astéropode. Astérop. Je sais pas pourquoi j'ai dit astéropode. Rien à voir. J'allais trop vers le soleil. J'ai eu un peu peur. Ça se balade. Waouh, magnifique, une géante bleue. Ah, j'avais pas eu de bleu, de géante bleue, c'est cool. Je sais pas si on peut aller... c'est vraiment une géante, hein, il me semble. Et c'est Maya après, impeccable. Du coup, on va pouvoir regarder vite fait. Ah, 6. On peut récolter du carburant sur une bleue comme ça. Je sais pas si c'est une géante, parce qu'elle me semble un peu petite, mais... on va quand même faire de l'exploration.
Ok. Donc on a fait la moitié du voyage. Enfin la moitié. C'est pas vraiment la moitié. Et notre voyage sera fini à partir du moment où on sera retourné dans l'Empire. Ça chauffe que dalle hein. En plus une bleue ça chauffe que dalle. Enfin, ça chauffe quand même hein, mais... Oh ça chauffe bien même. Ça fume, ça fume. On va sortir de cet enfer. Voilà, là. La température baisse, on va attendre que ça baisse encore un peu. Et on va arriver à Mia. À Maya. Mahia. Maria, Maria, hey, Maria, ah, ah. 3, 2, 1, English. Et Maya, elle est éclairée par une jambe bleue aussi. C'est tellement cool, sérieux. Cinquante corps stellaires. Oh putain. Et on va où du coup? Ah, il y a un trou noir et tout. Putain, wow, c'est trop cool. Trop cool. Alors, Maya. Palais de navigation. Hein. Site d'extraction de ressources. Poste d'écoute. Obsidian. Obsidian Orbital. Il y a quoi? Sanchez Class Science Vessel. Il y a un conflit, intensité moyenne. HR, Ultimate Mobile Guard Bureau. Il y a pas mal de trucs. Hein. Noir de Maya, oh, putain, il y a... Oh, peut-être le coup de se déplacer jusqu'ici. Par contre, c'est super loin, non? Ah non, ça va, ça va. J'ai cru que c'était super loin, mais ça va. Du coup, on a dit c'est quoi le plus proche? Merde, j'ai perdu. Il est où? Il est où? Ah, Obsidian Orbital. 600, c'est quand même un peu loin. Du coup, on va là-bas, je suppose. Pour acheter ce qu'on a besoin. Méta-alliage. On sort de l'aura du soleil. Voilà, on sort de l'aura du soleil. On se dirige vers là. On se met dans le bleu. Et voilà, on est parti chez Obsidian Orbital. Et c'est classe les soleils bleus. Après, il y a un trou noir dans le coin. Presque curieux d'aller voir le trou noir, mais bon. Enfin, aller voir. C'est pas le trou noir que tu vois généralement, c'est le disque d'accrétion. Faut regarder. Non, c'est pas ça. C'est plus ce que j'ai mis pour changer de mode. Ah oui, c'est ça. On remet en mode combat. Oh, elle est violette celle-là. Sur la planète à toute vitesse. Le Vlam,
obsidienne orbitale. Tranquillement, tranquillement. Le sentiment des félins. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Voilà. On entre dans la zone neutre. On coupe les réacteurs avant de rentrer dans... On demande l'appontage. L'appontage est accordé. Et tout se fait automatiquement. Voilà, ce fut un long voyage. Ce fut un long voyage d'une heure, je dirais. En vrai, c'est pas mal. Ah, j'ai toujours pas fermé la fenêtre. Je reviens. Excusez-moi, j'étais... Si je laisse les fenêtres ouvertes et qu'il fait 27 degrés dehors, déjà qu'il fait 26 chez moi, il va finir par faire 27 ou 30. Je vous souhaite que ça n'arrive pas. Bon, bonjour mon chat. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il y a un marché? Il y a un marché. Haute technologie. Pardon. Ah, voilà, réparer, on a 2000 balles quand même. Le marché. Acheter métal-alliage. Ah. Je vois pas de métal-alliage, moi. C'est vraiment là-dedans, j'en sais rien. Marchandises de mission, bah j'ai pas de marchandises de mission mais... Ok... On va regarder le lien qu'il m'a donné tout à l'heure, tac. Market... Métia, rien. Domania. Danse. Quantity. Abraham Lincoln. Main Station. Attends. Ah non, ça c'est Abraham Lincoln, c'est la station de départ. Ok, mais du coup... Métal-alliage, je l'ai pas vu au marché, moi. Production retour. Oh là, ça va être trop compliqué ça. Retour. Autre chose. Comparer, non. Acheter.
Et... Et... Tableau de mission. Genre n'importe où là, je fais n'importe quoi, je ne sais pas. Il me dit ouais, c'est ma... Daniel's Provest. Pad. Danse. Bye. Seulement à Maya, mais il faut trouver la bonne. Le bon marché, faut trouver. Regarde un peu hein, s'il y a des infos. Ouais. Je sais pas. Et du coup, on va essayer d'un autre marché, hein, du coup, si on ne trouve pas là. Ah, il y a un gars de l'imprimé. Ouais. Ouais. Présent l'unité suivante. Quoi les unités? Arme capacité. Bon ben on retourne dans le marché, aux technologies. Pilot complet, système. Équipement diagnostique. Peur, les chaînes convenant. Je le vois pas, bien sûr, hein. Ça pouvait pas être dans le premier combat. Juste aller voir dans l'ingénieur là. Une unité de méta-alliage. Autre camp ancien. Et au moins du méta-alliage, méta-alliage. On retourne dans le truc. Quoi qu'il soit apparu, on sait jamais. Et de la ferraille. Si je ramène de la ferraille, ça suffit. Au fourneau. Agri. Y a pas. Il paraît. Rechercher marché. Gérer marché. Maya Point, le Daniel Progress. Ah, c'est Daniel Progress. Putain, faut que j'aille sur Daniel Progress. Daniel Progress, le truc. Je l'ai vu dans le site qu'il m'a donné, l'ami Shunsen. Alors, du coup. Aviation, Maya, Daniel Progress, il est là. C'est juste à côté en plus. Bon. J'ai pas eu de bol, j'ai pas pris le bon, hein, ça arrive tout le temps. J'ai fait le plein, j'ai fait les soins, c'est bon. On y va. Ça aurait été ballot de pas checker quand même. This is a notice to all the visitors. Entry to the Maya system. Entry to the Maya system.
On était pas loin, hein. C'était sur la planète, on est en orbite. Bon, déjà, on va faire un peu comme ça pour aller un peu sur la planète. Ah, décélère, saloperie d'enculé. Ah, trop bas. 45. Absolument rien sur cette planète de ces morts. J'ai encore fait un atterrissage à la con. Hein. Même pas si je suis atterri. Bon, bah comme tout à l'heure, hein, on remet tout à fond dans les moteurs. Ah, d'accord. Comme tout à l'heure, on va mettre 10 minutes parce qu'on s'est planté. On y allait comme une brute, quoi. On est reparti pour 10 minutes. Je vais quand même regarder un truc. En espérant. Ouais, je bouge trop ma position, là, c'est pas bon ça. Bouge plus. Tac. Là, je suis un boulet. Pas de la galaxie. Ah, c'est le centre de la galaxie, Maya? Ah ouais, je me disais aussi. Bon, on va atterrir, ce sera moins dangereux. Je vais encore me prendre une planète et après je vais me plaindre. C'est horrible, je me suis mangé une planète, tout ça. Alors, du coup, j'en étais où? Je vais quand même regarder vite fait. M'a dit l'autre ingénieur. Non, c'est pas ça. Je me gourre tout le temps le bouton, c'est fou ça. Alors, Evira. Ah, c'est Enguri. Je risque pas de trouver. Là, tac, on prend le risque. On est comme ça, nous. On cherche Enguri. Attends. 500 années-lumière. Ah, c'est de l'autre côté de Wolf et tout ça, donc en vrai, on le fera plus tard, ça. Quitter. Voilà, on s'est pas mal rapproché. On le fera plus tard. Et il s'agirait de ne pas faire de conneries.
Il s'agirait de pas faire des conneries. Hein. Et ça fait voyager, ça fait voyager. Tu fais ces trucs-là, tu rends l'exploration, à mon avis, tu te fais des couilles en or. Quoi. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, ce qui peut être pas mal. Professeur Palin, recherche des objets extraterrestres. Trois unités de la marchandise suivante. Matière biologique targoïde. J'ai besoin de votre aide, commandant. Plusieurs rapports récents font état de rencontres avec des extraterrestres dans divers systèmes. Nous aurions besoin. Matière biologique targoïde et apportez-la à la station Obsidian Orbital. Tu m'as bien vu, est-ce que j'ai une gueule de chasseur de troduc là. Oh putain, je suis trop près. Eh ben, arrête-toi! Ah super. J'ai le bug que j'ai eu la dernière fois. Je peux pas arrêter le. Ah voilà, j'ai eu gros. Avec ce truc là, j'ai eu un gros bug la dernière fois. Je peux pas arrêter mon vaisseau. Comment j'avais fait? Ah mais je peux pas faire ce que je veux. J'ai eu ce bug là mais je me rappelle plus comment j'avais fait. Ah si, j'avais fait peut-être un alt tabulation, on revient sur le jeu, on fait. Ah non, ça marche pas. Ah je sais plus comment j'avais fait. Échappe, ça marche pas. Voilà. Mon clavier n'est pas reconnu, ça marche plus. Il est là. Et si je fais un Alt F4. Il y a rien qui marche. Putain, mais comment j'avais fait la dernière fois? Non, non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Rentre les points d'import. Ah ouais, mais je sais, mais... Putain, mais c'est... Voilà, j'ai le bug. À chaque fois, je lis ce machin, là. Y'a rien qui marche. Y'a rien qui marche. Alors, hop, alt tabulation. Bon, attention. Je ferme là un truc. Voulez-vous vraiment quitter? Non. Voilà. Pfff. Et si je fais reprendre, U. Y'a rien qui marche. Y'a rien qui marche. Donc, c'est vraiment le jeu qui est bugué des fois. Alt tabulation, je vais me faire tirer dessus, ça continue. Hop là. Non. Retour au menu principal. Et... Enfin, j'espère que ça va pas me planter au milieu de l'espace. Continuer. Je sais pas, j'ai déjà eu ce bug là, je sais pas ce que c'est. C'est ça, voilà. J'ai plus de clavier, je peux plus rien contrôler. Ça parce que j'ai lu un message. Ne jamais lire de message.
J'espère qu'il va me remettre proche de la station, parce que je sais que la détection quand tu déco est pas top. J'ai l'air pas loin de la station, excuse-moi. Putain, j'en reviens pas. Appontage refusé, pourquoi je suis trop loin? Il est ciblé au moins. Ah oui, je suis trop loin. Bon, j'ai du bol, ça m'a pas trop enregistré trop loin, ça va. Mais là, on a frôlé la catastrophe. Hein. Le mec, il arrive sur une base, il déploie ses armes. Un véritable enfer. Ça m'a fait stresser, cette merde. Hein. Voilà. Prendre le métalliage. Landing gate deployed. Alors. Métalliage, métalliage. Oh non, me dis pas, je le vois pas, métalliage. Mut, uranium. Métalliage, il est là. Industriel, il m'en faut qu'un en plus. Acheter. Hein? Et ah, au cas où. On a dit, c'était Jacqueline. Vas-y, Jackie. C'est bien une, hein, je vais vérifier parce que vu le trajet. Vous avez rempli votre premier contrat en livrant une unité de métalliage. Une unité de métalliage. C'est bon. On a le métalliage, maintenant on peut. Retour. Maintenant. On est reparti dans l'autre sens. Enfin, je suppose. Je vais aller à des siennes. Des siennes. Ah, ok. Service du spatioport, maintenance, équipement. Ah ouais, Pléiade Ressources Entreprises, c'est la fédération. Okay. Voir le prix des cartographies. Avant de rendre quoi que ce soit. Déjà à 600 000. Hein. 600 000, c'est pas mal. Hein. Et. Donc on est parti sur du décollage. Et voilà. Ok,
maîtriser en deux. Une demi-heure, on va faire la moitié du trajet, mais tant pis. Alors, tac. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Ah ! Quel con ! Mais quel con ! T'es pas encore assez éloigné, mais je suis un abruti. Hein. Ça fait deux fois que ça me, je fais le coup là, hein. C'est quand même magnifique. Sa destination occultée. Ah, j'ai pas la destination occultée, moi. Aussi, je m'éloigne le maximum. Je fais pas le con. Je fais pas le con, José. Sorti de la l'influence de la planète. Là on est sorti carrément. On peut tourner maintenant. Il éclaire bien ce soleil bleu. Hein. Est-ce qu'il va me refaire passer par les mêmes endroits? Je sais pas. C'est bien que non, mais bon, là, c'est parti pour oui. Par contre, il est possible qu'on se fasse attaquer aussi. Oui, on n'est pas passé par le même endroit, du coup. On va pas exactement à la même destination. C'est très pratique pour moi. Très pratique. J'ai oublié d'attendre
Oh, j'ai encore cramé un vaisseau, moi. Voilà, maintenant il faut attendre de sortir. Tranquillement, le sentiment différent. Et c'est reparti. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Tranquillement, nous nous baladons dans l'espace. Tranquillement. Et quelques années-lumière. Ariès Dark. Pas mal ça. Oh non, la con. Visite.
Friendship drive charging. Ah, il me semble bien que j'ai vu ce message. Ah, mais là, qu'est-ce que ça te compte? Édition Flixbus. Pas grand chose. Dans les IAD. Charging. Two,
au score stellaire. Faisons notre plein tranquille. Alors, la galaxie. Neguri. Regardez les informations sur Neguri. Neguri. Clientéliste, c'est une industrie, ça fait mignon. Et ça, c'est un secteur de l'Empire. Ça, on aime. Parce que direct après avoir ramené, on pourra peut-être aller à Neguri, donner nos trucs de détection à l'Empire et gagner en réputation. C'est possible. Ça peut être bien. Après, c'est combien par rapport à Desia? Ah, on va dans la direction de Neguri. Donc du coup, ça doit être même pas 100 000. Donc du coup, c'est ok, tranquille. C'est ok, c'est ok. Du coup. Explorateur, on n'a pas vendu les trucs, on a 25%, mais là je pense qu'on va prendre un. C'est coussé, ouais, c'est le combat de gladiateur. Nos modules sont en meilleure forme que tout à l'heure. Simulation, redémarrage réparé. On a du méta-alliage. Oh là là. Faisons le plein, c'est presque plein. Du coup, les groupes d'armes, on a ça. Le métamatériau. Aucun module de raffinage. Aucun matériau spécial. Analyse d'observation de bouclier incohérente. D'accord. Les munitions, baba. Ok. Ok, ok, ok. On est à la partie. Les ZIAD encore. Toujours ces secteurs à la con. Thank you.
pas trop se rapprocher du soleil. Et on est reparti tranquillement. Vers l'aventure. Les IAD encore. Quel enfer. Quel enfer, ces IAD. Frameshift drive charging. Oh, on va à Jagana maintenant. Alors, du coup, on va peut-être aller se poser. On trouve une station. United Kingdom. Terminal. Settlement. Attends, merde, c'est pas ça que je veux faire. Arrête de tourner. Je veux juste regarder. Starting Settlement. Guild Crew. Indépendant. Et celui-là. Indépendant. D'accord, on va aller sur celui-là. Et. Settlement, on va aller là.
faut que je sois. Je dois faire une pause parce que je dois aller. Un rendez-vous à 5h, donc du coup. On va aller se poser. Tranquillement. Qu'est-ce que t'as accumulé pour choper cette cargaison? Me dis pas le méta-alliage, hein, parce que tu m'attaques, ça va mal se passer. Hein. Pas du genre à dire merci. Ou au revoir, ou quoi que ce soit qui se rapproche. Si c'est ça, c'est le métalliage qui cherche. Putain, sale fumier! Et l'autre qui plante en plus. On va atterrir. Oui, je sais, t'as planté tout. Surtout pas rater l'atterrissage, c'est pour ça. Et on s'apponte tranquillement. Tranquillement. Pas de temps de sentiments différents. Impeccable, impeccable. Allons. On va faire le plein, on va réparer tout. Des malus. Non, je voulais regarder un truc, tableau des missions, voir s'il n'y a pas. C'est que les indépendants, ouais, c'est que les indépendants. Par la cartographie, ça a augmenté. Un million, ça a bien augmenté. Ouais. Ça a très très bien augmenté. Voilà, voilà, atelier à distance, aucun plan épinglé. Impeccable, donc du coup, je m'arrête là, normalement je fais des lives plus longs, mais comme qui dirait l'autre, on m'a fait une proposition que je peux pas refuser.
Du coup, j'ai arrêté la VOD en vous remerciant. Merci d'avoir regardé la VOD jusqu'au bout. Je vous apprends à sourire.